Viviette, c'est Johanna Swan. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très, très, très bien pour moi. On est en direct. Voilà, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Voilà. Ce jour, ben, j'allais dire ce soir. Enfin, ouais, c'est vrai, on est quand même, il est quand même tard. Donc, ce soir, on va parler du football féminin, mais de manière un petit peu plus particulière. On va surtout aborder le cas de la grossesse et qu'est-ce que ça fait en fait quand on est maman. Est-ce que c'est possible d'avoir une carrière quand on est sportif de haut niveau et d'avoir un enfant? Il semblerait que ce serait possible pour certaines joueuses dans certains pays, mais est-ce que c'est la même chose en France? Ça va être quelque chose qui va être complètement différent et qu'on va voir justement dans le live. Mais avant tout, je vais dire bonjour à Sabrina. Comment tu vas? Coucou Tala, coucou Rémi, coucou Marie. Bah merci à vous d'être là. Et ça change pas d'habitude. On a toujours mon chat qui est dans les parages. Je pense que vous l'avez encore vu. Coucou Imen, j'espère que tu vas bien. Alors, Imen est stress pour demain parce que demain, il y a la match de Coupe de France du PSG, justement, qui va affronter à Marseille au Vélodrome. Et donc, c'est assez important pour les Parisiens de se qualifier pour pouvoir rester dans cette compétition. Mais ce soir, on ne va pas parler de football masculin, on va parler de football féminin, mais vraiment sur la partie grossesse. Alors, beaucoup ont commencé à s'intéresser justement avec les affaires de grossesse avec Amel Majri et Sarah Bior, où j'ai fait un article et le lien est épinglé. Mais on a oublié qu'il y avait un reportage qui est sorti dimanche dernier. Donc ne vous inquiétez pas, le petit reportage sur le suivi de la grossesse de Amel, je l'ai bien sûr regardé. C'était justement par une confrère qui en a parlé justement sur le fait qu'elle-même étant ex-joueuse de football, elle ne se voyait pas justement avoir un enfant pendant sa carrière. Et donc c'est pour ça qu'elle en a beaucoup, beaucoup parlé. Alors, tout le monde pensait que c'était inédit, c'était nouveau, qu'en France, on n'avait jamais eu de cas de joueuses qui ont des grossesses. Et ben en fait, il faut revenir un petit peu à d'autres clubs comme Fleury. Alors, Fleury a déjà eu à plusieurs reprises affaire à des grossesses et il les gère plutôt très très bien. La première française vraiment qu'on connaît qui est actuellement maman, d'accord, qui bah, travaille et joueuse professionnelle, c'est Charlotte Fernandez que l'on voit actuellement à l'écran. Alors en fait, elle a deux enfants. Donc, il y a environ 8 ans, c'était la première joueuse française à être maman. Elle avait environ 20 ans. Et c'était le football féminin n'était pas le football féminin d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'à cette époque, on ne considérait pas forcément le fait de faire du football français comme un sport de haut niveau, avec un suivi comme si c'était une carrière. Elle a fait le choix de tout arrêter. Mais vraiment de tout arrêter, elle ne poursuivait plus les entraînements, elle ne s'entraînait pas pendant sa grossesse, puisque il n'y avait pas encore le côté je peux avoir une carrière dans le football quand même, je retourne après. C'était surtout je suis maman. Donc elle a vécu sa grossesse comme une maman. Et ensuite, elle est revenue des années plus tard dans le football. Donc maintenant, là, ses enfants, ils sont plus grands. Donc elle peut aller les chercher à l'école après les entraînements. Mais de base, mais vraiment, vraiment, vraiment de base, ce qui était vraiment pour elle, c'était je suis maman, je m'occupe de mes enfants, point. Maintenant, elle est une joueuse professionnelle à Fleury. Et on avait tendance à penser, coucou Khabib, j'espère que tu vas bien. On avait toujours tendance à penser que vraiment les Lyonnais, c'était vraiment le seul club qui doit gérer la grossesse et tout. Non, parce que encore à Fleury, il y a eu d'autres péripéties. C'est le cas justement de Manon qui est la gardienne en fait de Fleury, mais quand elle arrivait, Manon,
très peu de temps après, elle est tombée enceinte. Donc, ils ont eu affaire, non seulement bah, ils ont une joueuse maman, mais ils ont eu affaire à une joueuse qui, pendant qu'elle est licenciée dans le club, est tombée enceinte. Donc, il faut pas croire que voilà, Amel Majri, c'est la première, certes, internationale française, parce que Manon n'évolue pas du tout en équipe de France pro. Donc, du coup, ceux qui sont son cas est complètement différent. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé dans le football. Et vous allez me dire, waouh, Fleury, ils ont deux joueuses. Ils ont deux joueuses qui sont mamans actuellement dans le club et qui gèrent ça plutôt bien. Non, vous vous détrompez. Vous vous détrompez complètement. Ils en ont trois. Pas une, pas deux, mais trois joueuses et ça se passe très 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 bien. Alors, vous allez me dire, mais Fallon? Mefumetu, c'est une joueuse qui est en défense et qui est également maman. Donc du coup, on a trois joueuses dans la même équipe qui évoluent en tant que maman. Donc moi, si vous êtes sur le YouTube, parce que le live n'est pas que sur YouTube, n'hésitez pas justement. N'hésitez pas justement à répondre au sondage concernant la grossesse et le monde pro. Alors, il y a le commentaire. Oh, merci Michel Dini qui dit bonsoir à la meilleure commentatrice du football féminin de YouTube. Merci à toi. Alors, l'Islandaise s'appelle Sarah Björk, mais ne t'inquiète pas, on ne va pas du tout l'oublier. Donc, ça, c'est le cas de Fleury. Ensuite, on a eu les cas lyonnais. Alors, les cas lyonnais. Ça ne s'est pas forcément toujours très très bien passé. On fait pas mal de choses. On parle pas mal autour justement de Amel Majri, une grosse communication. Donc il y a eu ce reportage, il y a eu plein de choses autour d'Amel Majri. Amel Majri, sa particularité, c'est que c'était extrêmement compliqué pour le club de gérer parce qu'il n'avait jamais géré une blessure des ligaments associée à une grossesse. Et c'était ça, en fait, sa particularité. C'est qu'elle est tombée enceinte pendant qu'elle était blessée, qu'elle est sortie des ligaments. Est-ce qu'elle pourrait revenir? Le club se montrait très bienveillant avec elle et espérait son retour et qu'elle n'arrête pas sa carrière. C'était, selon le reportage, selon les dires de Olas, quelque chose qui l'y tenait et qui voulait pas, il voulait pas perdre sa petite lyonnaise. Donc ça, c'est ce qui se passe autour de la grossesse. Amel Majri a pu être épaulée par Sarah Björk, qui déjà, c'est l'Islandaise que tu parles, qui déjà était à Lyon. Du coup, elles se sont croisées en termes de grossesse. Elle revenait de sa grossesse, elle était en début de grossesse, donc elle a pu donner des conseils, puisqu'elle lui a expliqué comment gérer une grossesse quand on est athlète et qu'on veut revenir dans la compétition. Donc, c'est pour ça que c'est complètement différent, parce que Amel, elle, c'était claire et précise avec son niveau d'intensité, le fait qu'elle soit internationale, le fait qu'elle est dans un club qui demande beaucoup, comment faire justement pour pouvoir rester dans la compétition, revenir le plus rapidement possible, savoir les exercices, les conseils, les to-do, enfin, les choses à faire et les choses à ne pas faire quand on est enceinte et athlète. C'est ça en fait qui était très important pour elle. Elle a pu avoir tout le soutien de Sarah. Et Sarah n'avait jamais dévoilé au grand public tous les soucis qu'elle a pu avoir avec le club. Et en fait, elle était face à une vraie problématique justement dans le club. C'est la loi française. Pour le club étant considéré comme en arrêt maladie, paf, le salaire, ça saute. Donc du coup, elle n'est pas en congé maternité, elle est en arrêt de travail. Mais selon la loi FIFA, c'est pas la même chose parce que du jour au lendemain, elle a plus du tout de salaire. Comment c'est géré? Et ça dépend de la FIFA. N'hésitez pas à mettre des j'aime. Je vois qu'il y a les j'aime qui montent, ça me fait plaisir. N'hésite pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bon référencement pour les streams comme YouTube. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'elle a dû aller contre le club se battre pour avoir justement un salaire.
pleinement. Donc, suite justement au cas qui est sorti l'année dernière, le procès, Lyon était condamné à payer 80 000 euros. Plus de 80 000 euros à Sarah Bjork. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en étant vraiment en conflit avec le club, en allant porter plainte, elle se fermait une porte avec Lyon. Et c'est pour ça qu'actuellement, elle joue à la Juventus. Mais elle se plaint aussi d'un manque de soutien psychologique. Et là, j'en parle dans mon article. Le lien est épinglé dans le chat sur YouTube, où elle parle du fait que bah, ils n'étaient pas vraiment là pour elle de manière psychologique. Il n'y a pas vraiment eu de suivi, de soutien autant qu'ils le prétendent, qu'ils étaient face à une incompréhension totale. Mais Jean-Michel Aulas, il a répondu que oui, Lyon avait fauté là-dessus, sur certaines choses, parce que en fait, ils n'étaient pas préparés et que ils suivaient scrupuleusement la loi française. Donc, du coup, tu suis la loi française et il en est en fait désolé du côté humain, du ressenti que Sarah a pu avoir durant sa grossesse. Parce que elle n'était pas partie en Islande en mode vacances, elle était partie en Islande là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle avait ses proches, il y avait sa famille et elle voulait avoir un suivi de grossesse dans une langue qu'elle comprenait, sa langue à elle, et pas forcément dans une langue étrangère qu'elle ne maîtrisait pas vraiment. Donc, elle était beaucoup plus à l'aise justement en étant chez elle, dans son pays, avec ses proches, pour gérer au mieux sa grossesse et être justement pour avoir justement le moins de problèmes possibles psychologiques, parce que le côté psychologique d'une grossesse est très important. Et puis, c'est pas les... Là, on parle du football, mais il y a eu des cas. On entend aussi une Française, ce qui est dans le domaine enfin, de tout ce qui est neurotique, on va dire. Elle est skipper et elle a perdu un de ses sponsors suite à sa grossesse parce que son retour c'est un petit peu prolongé. Et du coup, en fait, il va lui attribuer son bateau à quelqu'un d'autre. Donc, on sent qu'en France, on n'est pas forcément protégé quand il y a de la grossesse. Et donc, c'est pour ça que, vraiment, pour le football, c'est important de prendre soin parce qu'il y a des espaces qui sont aménagés dans des clubs, des petits espaces pour les mères. Est-ce qu'elles peuvent ramener leur nounou? Et dans le reportage, justement, où on parlait justement avec Amel Majri, ce que le club faisait, c'est qu'au départ c'était compliqué, donc il se relayait un peu pour garder sa fille pendant ses entraînements, mais elle n'était pas au top. Elle a dû se trouver une nounou dispo 24 heures sur 24 pour voyager avec elle, etc., pour les déplacements, et c'est ça qui était vraiment important pour elle. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Il n'y a pas que en France où les personnes tombent tout simplement enceintes. Alors, on peut être tout à fait maman et être sportif de haut niveau, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, ça, c'est ce que nous dit Sabrina, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que derrière, tu as la reconnaissance de ton club? Est-ce que tu as l'accompagnement de ton club? Ça va être compliqué. Donc là, vous avez le cas de Crystal Dunn. Donc, elle est avec un Français, en tout cas, en tout cas, son mari est francophone. Voilà. Donc, c'est une championne du monde américaine. Elle a fait les miracles. Hein. 9 mois après sa grossesse, elle était sur le terrain. Elle casse tout. Donc, c'est une joueuse qui est assez référente parce que c'est le milieu de Portland et c'est une championne. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y a aussi Morgan, Alex Morgan. On la connaît beaucoup par rapport à sa grossesse. Sa grossesse a été assez médiatisée, mais on n'a pas beaucoup parlé de celle de Crystal. Alors, celle de Crystal, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle n'a pas eu de changement de salaire. Elle a fait appel à une fille au pair. Et en fait, ce qui est complètement fou et super, c'est que le club paye la chambre, les vols et la nourriture de la personne qui accompagne ses enfants. Il y a un vrai suivi, il y a des vraies structures. Et en fait, le staff disent, on ne peut pas traiter le football féminin comme on traite le football masculin,
parce qu'il y a des besoins, des aménagements qui sont possibles. je lis vos commentaires, vous me faites rire. Donc, on dit que les clubs devraient soutenir plus les mamans sportives, mais en fait, il y a beaucoup de joueuses qui ont peur de perdre leur contrat, qui ont peur d'être sans club et qu'en gros, c'est comme si elles leur mettaient une épine dans le pied et c'est pas forcément bien vécu pour les joueuses. Après, voilà, je vais compléter justement l'article que j'avais fait sur Sarah Björk par rapport à sa grossesse suite justement à l'interview qui a été et reportage qui a été fait sur justement Amel Majri, donc je le compléterai cette semaine, donc n'hésitez pas à revenir sur cet article. Et on voit vraiment les différences de traitement entre les pays et les clubs. Au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu à faire. Et dans un club français, on aurait pu penser avant l'affaire de Sarah Björk. Maintenant, c'est différent parce qu'il communique beaucoup autour d'Amel Majri. Peut-être que Lyon, c'est le meilleur club pour pouvoir continuer à avoir une carrière. Mais en réalité, on a oublié des clubs qui sont un peu moins médiatisés, qui n'ont pas le même parcours, qui ne font pas la Ligue des Champions. Forcément, le club de Fleury, qui lui a toujours su gérer ses joueuses, a toujours accompagné ses joueuses qui sont mamans, qui peuvent tranquillement exercer leur carrière, aller chercher leurs enfants et qui peuvent être justement enceinte, s'absenter et revenir. Donc, il y a eu, à la fin du reportage, ce qu'on parlait, c'était le choix de mettre sa carrière temporairement de côté pendant un an, puis de la reprendre, et qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre sa fin de carrière sportive pour avoir des enfants. Il y a même des prises en charge, justement, sur tout ce qui est fertilité aux États-Unis. Donc, par exemple, vous pouvez mettre vos ovules de côté et quand vous êtes prêt, et c'est pris en charge, hein, c'est ça qui est intéressant. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez avoir les enfants plus tard. Donc, pour moi, c'est pas un sujet qui doit être justement laissé à la légère parce que c'est quand même assez important. Une carrière, une femme peut jouer au foot jusqu'à 35, 36, 37 ans, plus ou moins facilement. On ne peut pas mettre de côté la vie d'une femme et l'accompagnement, le changement qu'il y a dans un corps. Et ça, c'est vraiment crucial parce que les hommes ne sont pas concernés là-dessus pour des raisons physiologiques. Et quand on veut mettre en avant le sport féminin, je ne parle pas que du football, il faut aussi mettre en avant justement les changements possibles qu'il y a sur un corps de femme. Et se dire de devoir faire un choix entre la famille et le sport, c'est quand même assez dur. Dans le reportage, en fait, je vais repasser un peu le début du reportage qui s'appelle Baby Foot, 9 mois dans la vie d'Amel Majri. Donc, c'est un reportage qui commence 3 mois après la naissance de sa fille qui s'appelle Mariam. Donc, on parle des nuits courtes, du stress, le fait qu'elle n'a pas de nounou, qu'elle doit aller à l'entraînement. Donc, c'est toute une organisation qu'elle doit avoir avec son époux, qu'elle doit retrouver sa condition physique, réparer son corps après l'accouchement. Il y a un travail abdominal profond qui a été effectué, surtout au niveau de la colonne et du bassin, parce qu'on doit tout reprendre pour justement éviter tout ce qui est problème d'incontinence, fuite urinaire. Et certes, elle doit jongler entre elle et son mari, mais c'est quand même compliqué puisque ses séances doivent s'adapter en fait à son rythme de sommeil qui est affecté par son enfant. Donc ça demande vraiment coucou Maurice Legrand. Ça demande également une adaptation au niveau du staff sur ses séances. Donc elle est stressée dans ses séances parce que est-ce qu'elle va finir sa séance, s'occuper de sa fille qui peut pleurer à côté même si elle n'est pas complètement laissée à l'abandon. Il y a les joueuses et le staff qui s'occupent un peu d'elle. Donc c'était déjà vraiment un fardeau mais un poids en plus pour le staff de gérer blessure plus grossesse et
plus après grossesse, comment en fait ces nuits se passent avec sa fille pour pouvoir gérer sa reprise progressive sur le terrain. Donc ils sont un peu dans un flou absolu, sont complètement ils avancent vraiment à l'aveugle et en fait ils se rendent compte qu'il faut vraiment avoir beaucoup de courage et de force pour pouvoir revenir au niveau. Donc, même si le samedi dernier, elle a retrouvé le compteur des buts, elle a repris, elle est rentrée sur le terrain le 14 janvier face à Soyaux, c'était pas très simple. Et ce qui était intéressant, c'est que dans son reportage, on voit qu'elle n'était pas du tout au courant qu'il y avait des mamans qui jouaient en D1 et qu'elle aurait pu prendre des conseils. C'est vraiment le côté isolé. Et alors que, bah, elle se rencontre sur le terrain. Donc, elle n'était pas au courant vraiment des joueuses qui étaient à Fleury. Et c'est ça qui est compliqué parce que on est dans une compétition où la moitié des joueuses, enfin, la moitié des clubs sont semi-professionnels. D'accord? Donc, tous les clubs ne sont pas professionnels en D1. La plupart des joueuses, elles ont des contrats qui durent 5 ans. D'accord, maximum. Mais c'est plus des 2 ans hein, qui sont en réalité. Elle cumule justement le foot avec un emploi. Et que, à l'époque surtout de Charlotte Fernandez, comme je le disais un peu plus tôt, le foot, c'était pas considéré comme un sport de haut niveau pour les femmes. Donc, on a cette problématique. Ah, coucou mon petit Igor, comment ça va? Et te voilà de retour, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. Donc voilà. Yannick, est-ce que ce que tu dis est vrai ou pas? Faut pas jouer avec ce genre d'informations. Donc après, on parle justement dans ce reportage du cas de Manon L. Qui se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'elle aurait une rupture de contrat? Et heureusement que le club, ils ont bien pris sa grossesse. Parce qu'en fait, elle s'est dit, mince, je viens de signer, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Donc, dans le reportage, on voit qu'elle a pu demander des conseils à Sarah, quoi faire, j'en ai déjà parlé justement au début de la vidéo. C'est seulement fin octobre que Amel a pu trouver une nounou et qui avait un espace aménagé justement pour Amel Majri et son bébé, et sa fille, pour être un peu plus précise, que Sonia Bombastor, la coach, elle s'est toujours montrée bienveillante parce qu'elle est elle-même maman de 4 enfants et ex-joueuse, donc elle sait que c'est pas facile et elle essaie de s'adapter au mieux avec Amel et que ça se passe très bien, ce qui n'était pas forcément le cas avec Sarah Bior. Donc du coup, c'est plutôt bien pour elle, pour Amel Majri. Et sur Sarah, elle disait que j'avais proposé les mêmes structures à Amel. Mais Amel, elle habite en France, elle est française, et Sarah, elle est islandaise. Donc c'est pas les mêmes rapports. Et la gestion des grossesses est complètement différente, justement, et la réglementation est complètement différente en Islande. Donc justement, Amel, elle disait que ça lui faisait du bien de retrouver le terrain et de retrouver les sensations avec le groupe. Mais voilà, elle avait quand même quelques difficultés avant de qu'elle avait affaire à quelques difficultés avant de pouvoir retrouver le rythme et que son retour prenait plus de temps qu'elle pensait et fallait pas qu'elle oublie aussi que en delà de sa grossesse, elle avait les croisés et que maintenant qu'elle avait une nounou à temps plein, ça lui facilitait la vie, et qu'elle a pu avoir un programme sportif adapté, et elle doit faire preuve de patience. Ouais, il rêve beaucoup. Il rêve beaucoup. Il rêve beaucoup, notre cher ami Yannick. En fait, ce qui est aussi important, c'est qu'en juillet 2002, quelques jours après la naissance de sa fille, Amel Majri, en fait, est en fin de contrat. Elle est blessée, elle est maman, et c'est là qu'elle prolonge avec l'OL pendant 4 ans. Donc, du coup, c'est quand même rassurant pour elle, pour sa carrière. Et là, ce qu'on en a parlé un peu plus tôt, le président, il est soulagé, heureux qu'elle n'arrête pas sa carrière, justement, à 29 ans.
Donc depuis le 17 janvier, il y a eu un tremblement de terre justement dans le monde du football féminin. Depuis la Juventus, en fait, la Sarah se plaint de la gestion à Lyon de sa grossesse, qu'au départ ils étaient contents de sa grossesse et qu'elle a dit qu'elle préférait être proche de ses siens, qu'elle n'était pas partie en descendant en vacances et qu'elle préférait être suivie médicalement dans sa langue. Et qu'elle a eu des premiers soucis de salaire. Donc, elle était sur la base de la FIFA et Lyon était sur les règles françaises, considérant qu'elle était en arrêt maladie. Donc, elle parle de son impact psychologique. Ça, c'est ce que je vous dis par rapport au reportage, hein, si vous ne l'avez pas regardé. Donc, on parle de son impact psychologique. C'était difficile pour elle car aller contre Lyon à la FIFA en mai 2022, même si elle a rapporté les 80 000 euros, elle savait que cette action allait lui fermer les portes en France, à Lyon. Et Ola s'est expliqué qu'il avait fait des erreurs et qu'il aurait dû être plus compatissant, qu'il était peiné des déclarations de Sarah. Donc ça, tout ce que je vous dis, on le voit dans le reportage de Canal+ de dimanche. Et qu'on parlait justement du fait qu'en France, on découvre seulement la question de la maternité dans le football. Mais voilà, faut que ça aille vraiment beaucoup plus loin que ça. Parce que la maternité n'est pas un problème que dans le milieu sportif, c'est un problème dans plusieurs métiers. Donc, elle dit justement qu'ils ont tout fait pour la mettre dans les meilleures conditions en novembre. Elle était dans. Je parle de Amel Majri. Donc, ils ont tout fait pour la mettre dans les meilleures conditions en novembre. Elle était dans le groupe, sur le banc, face à Ligue des Champions, face à Juventus. Elle aurait aimé voir Sarah, mais Sarah était absente pour blessure. Donc, Amel n'est pas rentrée. Elle était un petit peu justement déçue. Mais voilà, elle a pu voir Pauline, sa coéquipière de la Juventus, donc elle était dans son élément. Et c'est à ce moment-là, dans le reportage, on a parlé de Crystal Dunn et de ce qui se passe aux États-Unis, justement, et que on va parler aussi des joueuses qui sont à Fleury, que je vous en ai parlé un peu plus tôt. On parle brièvement aussi de Alex Morgan et les deux joueuses, justement. Américaines parlent du fait qu'elles sont un peu des ambassadrices et en fait qu'elles doivent encourager le fait de pouvoir être maman et jouer au football. C'est des options qui doivent apparaître pour les joueuses professionnelles. Que c'est important de pouvoir justement avoir une bonne carrière dans le football et être maman. Et après, on est revenu sur Amel Majri, où elle parlait que maintenant, elle pouvait faire des longs déplacements avec sa nounou et sa fille, mais du coup, bah, son mari ne voyait pas forcément son enfant. Et donc, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup d'émotions dans ce reportage autour de Amel Majri, une certaine fierté, parce que maintenant, il faut bousculer ce qu'on appelle les codes, qu'on n'est pas obligé de choisir justement entre une carrière professionnelle et ne pas mettre sa vie de maman de côté. Oui, Majri, en fait, elle aurait pu reprendre au mois de décembre, mais elle a repris, en fait, au mois de janvier. Elle n'était pas rentrée au mois de décembre, elle est rentrée qu'en janvier sur le terrain et elle a marqué le week-end dernier. Donc voilà un petit peu pour l'affaire de la grossesse autour de Amel Majri et de Sarah. Bah, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Si en tout cas vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est joannaswan.com/page-lien. Vous allez tout trouver. C'est vraiment important de me suivre sur les réseaux parce qu'il y a des petits plus que vous ne trouvez pas sur YouTube. Et c'est important d'avoir aussi les petites infos. Moi, j'oublie jamais de remercier mes modos. Merci à elle d'être là. Et puis, c'était cool de revoir Igor. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Merci à toi, Khabib, d'être là, de passer. Donc voilà, je termine aussi toujours avec une petite touche musicale parce que j'aime bien, ça détend. Et puis ça permet de mettre en Il valeur gardait, Dan qui est un ami à moi, plus qui fort que supporter prévent, que parisien et prévent, c'est que lui qui prévent. chante. Donc voilà, un peu la force justement à la famille. Ils veulent tous le disque d'or, mais leurs projets sont bâclés. Moi, je suis pas dans les bacs, mais t'inquiète, c'est carré. Ils sont tous fascinés par le buzz et les millions. Mais où sont passés les vrais kickers? Passons. Si t'adhères le bail, c'est normal. Je me donne les moyens pour chaque track, soit du lourd man. Check, voilà du vrai. Peura, c'est D-A-N-E qui est la touche car lyrical.
Fais pas le fou, je vais t'effacer comme Boateng. Cherche pas, j'arrive des terres qu'il a Mbappé. Au passage, c'est que du rap, des stress. Comme disait Doncha, reste tranquille gros, le savoir est une arme. Bang bang, je viens du secteur 80, je traite. J'ai pas besoin de blablater, tu connais les bails. Tu comme this is Jean-Louis gros. Je viens plier la zone au suivant gros. J'interdis la concurrence, ma stade au Niyoka. Trop d'impostures dans la musique, négro yoka. Ne comprends pas tes guignols, Patrice Evra. J'arrive plus fort que prévu, hors game. Fais pas le fou, je vais t'effacer comme Boateng. Tu connais les bails, ça vient de Paname. Des stress, c'est que de la zik, man. Me casse pas les bonbons, le rap ça ramène pas au paradis. This is a ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. And this is a ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. A comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it, get it. And this is a ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. A comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it. Talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I've been comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it, get it. And it's a ticket. Talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I've been comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it, get it. Talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. A comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it, get it. And it's. Merci de nous avoir été là. Je vous dis ciao, ciao. À très, très, très bientôt.
Tous ensemble, on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais.